Bonjour les chéris d'ambre, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vous présente le spot où nous sommes actuellement. Là derrière moi, vous voyez Foxy. Je me tourne un peu et vous allez voir Coquelicot. Voilà, il est là aussi. Tout le monde est là. Et je vous fais visiter le spot parce qu'on va rester quand même quelques temps ici. Quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, on ne sait pas, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Allez, vous venez avec moi? On y va, c'est parti, à tout de suite. Ah, vous avez vu cette belle vue? Magnifique. Magnifique. Un peu de broussailles là. On passe à travers, mais on passe. On passe à travers la broussaille. Ah, il y a Domino qui arrive. Salut mon petit chien. Tu me suis, c'est bien. Quand tu as admiré la vue, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais. Joli comme tout. Et alors, l'autre côté de cette vallée, des collines, c'est quoi? Il y a Coquelicot, il y a Foxy. Tiens, tiens. Un camion orange de la DDE. Vous connaissez, vous, celui-là? Ah, ah, moi, je le connais. Moi, je sais qui c'est. Regardez. C'est le fourgon de la morue. Ouais, il est là aussi. Il est venu nous rejoindre. Il a eu quelques petits soucis techniques. On va le voir tout à l'heure pour voir si tout va bien. Donc voilà le spot. À Méchial, à mi-chemin, en gros, à mi-chemin entre Almodovar et Faro, donc au sud du Portugal. Ça fait déjà partie de la région de l'Algarve. Même Algarve, en règle générale, oui, ben c'est la mer, c'est la côte, oui, effectivement, mais ce n'est qu'une partie. Nous sommes déjà dans le district de Faro, et ça fait partie Faro, vous savez, c'est bien, bien sur la côte, à l'Algarve. Donc, nous sommes dans la région d'Algarve, déjà. Notre place, notre parking, un ancien terrain de foot, là devant, c'est le terrain de hand, qui est bien, bon état, propre, hein. Un peu mouillé, oui, il pleut. Et donc, ce terrain est mis à disposition, c'est un aire de camping-car déclaré officiellement mis à disposition et entretenu par la municipalité d'Améchial. C'est le village qu'on voit là, au fond, un peu, voilà. Il y a une église. Ça m'intrigue un petit peu parce que hier, en se baladant, sur l'église, j'ai vu gravé dans la pierre 1623, 24, je ne sais plus. En tout cas, ouais, ça fait 400 ans. Donc, je vais aller faire quelques recherches et je vais trouver une explication parce que si vraiment le village date de cette époque-là, ou au moins l'église, et normalement, là où il y a une église, il avait toujours quelques habitations autour, mais ça va être... Une autre vidéo, là aujourd'hui, je vous parle uniquement du spot, de la place, de l'endroit, de l'étape, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Hein. En tout cas, on est bien ici, on est bien installé, on est en sécurité, il n'y a aucun problème et tout est gratuit. Voilà, c'est un bon spot pour s'arrêter, vous voyez, il y a pas mal du monde. Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Voilà, on va voir ça un peu plus près. Je vais vous présenter un peu. Il y a des branchements électriques, il y a des robinets d'eau et tout est gratuit. C'est parfait. À tout de suite, venez, on y va. Voilà l'accès. L'accès de l'aire de camping-car. Je ne sais pas pourquoi il y a un panneau d'interdiction, on ne sait pas. J'ai aucune idée. Ça a certainement servi à quelque chose à un moment donné. Tout de suite, ici, nous avons
un robinet d'eau, gratuit. Derrière, c'est électrique, là, on le voit là, c'est marqué là. Ensuite, sur le côté ici, je pense que c'est la chaufferie là derrière. Là, au milieu, le petit truc là, c'est le gaz, l'eau, branchement eau. Et on arrive derrière le petit bâtiment. On arrive vidange, toilette, eau noire, vidange, eau grise et poubelle. Donc, assez de poubelles pour tout le monde, je pense. Il n'y a pas de conteneur de tri ici. Mais j'ai vu en haut au village, quand on monte, quand on va direction village, directement en face de la rue, pour accéder ici, il y a des conteneurs de tri. Alors, vous voyez un peu loin là, les gilets jaunes? Non, verts. Bon, je rigole. Ça, c'est la route, la rue pour venir ici. C'est un peu raide. Moi, c'est faisable. Allez, on continue la visite. Bon, vous voyez, il y a la place pour tout le monde. On va voir ce qu'il y a à ce côté-là. Donc, il y a branchement électrique. Ici. Il y a un autre branchement. L'autre côté. Au bout de la murette. Et là, on descend vers les sanitaires. Parce que ben, ça aussi, c'est parfait, c'est très bien. Douche, toilette, eau chaude, gratuite. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont les anciennes sanitaires des joueurs. Quand ils sont venus ici ben, jouer, ça, c'est les sanitaires des arbitres. Voilà. On va voir à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de chauffage, mais bon. L'eau est chaude. Hein? Ça va. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais c'est parfait. Allez, on y va. Donc là, poubelle. Et on remonte. Donc, branchement électrique, il y a un ici. Ben, on nous a demandé d'éviter de se brancher là-dessus parce qu'en fait là derrière il a le disjoncteur, les fusibles et tout ce que vous voulez. Il a l'éclairage aussi pour le terrain là, pour le terrain de hand. Donc il vaut mieux éviter de se brancher là-dessus. Mais là il y a 1, 2, 3, 4, 5 véhicules et il n'y a que 4 branchements ici. Donc mais il y a un, vous voyez, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Impeccable, parfait, bien installé, nickel, et tout ça, c'est vraiment gratuit. C'est, oh, bon, j'adore, c'est super quoi. On est allé voir la mairie l'autre jour hein, pour autre chose, et donc justement, je dis la dame à la mairie, enfin, il y a la mairie au village, et la mairie fait apparemment aussi office de bureau de poste, réception de colis, réception de courrier. Donc vous pouvez aller à la mairie, demander la dame, elle vous donne l'adresse et vous pouvez donner ça comme adresse poste restante, c'est génial. Et la dame, elle parle français, elle parle très bien français, c'est une portugaise. Bien évidemment, elle est au Portugal, donc c'est une portugaise. Mais elle parle très 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 bien français. Donc elle vous donne l'adresse, vous demandez juste, vous donnez votre nom. Elle vous donne l'adresse et vous communiquez l'adresse à ceux qui doivent vous envoyer des colis, du courrier, voilà, tout ce que vous voulez. Et ça fait bah, comme une poste restante. Bon, je ne sais pas si on le voit, mais là, il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas si on le voit.
Donc, nous sommes installés sur l'ancien terrain de foot. Je pense pas qu'ils vont encore venir jouer ici. C'est vrai, c'est en terre battue. Donc, quand il pleut, hein, et on est un peu dans la boue, mais il y a des flaques, mais ça va, c'est pas trop méchant. On va voir là, derrière le bulin, il y a des marches, escaliers qui descendent. On va voir. Et voilà, des escaliers. Attention, si vous descendez et vous montez, la dernière marche, elle est très haute. En face, il y a un chemin balisé, un chemin de rando, et qui descend à gauche aussi un autre, un GR 13.6. Est-ce que vous avez une idée à quoi ça correspond? Moi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ici, on peut faire des magnifiques balades avec ou sans chien, comme vous voulez. Et Cassie, vous pouvez croire, Cassie, elle est heureuse ici. Alors, ici, nous avons un coquelicot. Nous avons un foxy. Si, ce sont des voisins, très sympas aussi, mais ils sont souvent absents dans la journée. Ils sont venus avec la petite voiture. Et un coquelicot et un foxy. Et maintenant, je veux vous amener à admirer avec moi la belle vue, la vue magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça, c'est Ambre qui nous a trouvé cet emplacement. On est tout au fond du parking là. Et elle est arrivée un jour avant moi. Elle a traversé le parking, elle est allée jusqu'au bout et elle nous a trouvé ça. Un océan de verdure. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi je dis, je veux voir l'océan. Et là, j'ai l'océan de verdure. C'est pas beau ça. Allez. On va voir si elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce coquelicot? On va s'approcher. Essaye de ne pas me casser la figure. Elle est là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce coquelicot? Oups! Attention! Alors là, nous avons un domino. Nous avons une Cassie. Et nous avons une Ambre. Allez, je continue la visite. Merci, je vais essayer de ne pas trop mouiller parce que. Hein? Ouais. Vous voyez les nuages là? Ouais, pas joli. Allez, on va continuer la visite. À tout de suite. Allez, Domino, viens. Ensuite, nous avons un fourgon orange. Tiens, la DDE est là aussi. Marrant ça! Voyez là, contre le mur, il y a un robinet d'eau. C'est pratique. Je vous avais montré celui qui est l'autre côté. Et nous avons un robinet ben, chez nous aussi. Pour tous ceux qui sont là derrière, là c'est le terrain d'Ande. Je n'ai jamais vu jouer quelqu'un. Bon. Mais il est en bon état. Hein? Il est en bon état, regardez. Il est tout beau, tout propre. Oui, il est mouillé, oui, d'accord. Mais bon, c'est normal. Ça alterne entre pluie et soleil et pluie et soleil, tout ce que vous voulez. Allez, on va voir le fourgon rouge. Orange, oh pardon, mille pardon. C'est le fourgon de la morue. Est-ce qu'il est là? Ah, il y a quelqu'un là. Coucou John. Comment ça va? Ça va et toi? Ah ben ça va, ça va, ça ça va. va. Pas trop froid, non? Oh ben Non. non, on se repose. Hein. T'as réussi à venir ici malgré ton problème technique là? Et c'est toujours pas Oh réparé, mince. mais bon, c'est pas grave. Il y a un garage pas très loin. Ouais. Et du coup, on va. Tu vas aller là-bas? Ouais, je pense. Mais bon, voilà.
En tout cas, tu es bien ici, t'as l'eau chaude, t'as la douche chaude, t'as les toilettes, t'as tout ce qu'il faut là. Alors, douche chaude, j'ai pas encore pu en profiter parce qu'apparemment, j'en ai parlé à un gars de la mairie, Ouais. ils sont en train de Ah, il n'y a regarder. plus de gaz, non? Un truc, Je quelque chose sais comme pas si ça? c'est un problème de gaz ou pas, mais bon, c'est dans les tuyaux, si j'ose dire. Bon, ça va être réparé Oui, là. oui. Bon, je pense. Allez, je continue la visite. À plus Au revoir. tard. Ciao, ciao. Bon, on va voir. Tout le monde est bien installé. Il y a vraiment, vraiment, vraiment la place pour tout le monde, largement. Et ça va, ça vient. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a des gens qui vont rester encore longtemps. Après, il y a des gens qui restent un jour, deux jours. Il y a des gens qui restent une nuit, qui repartent. Et voilà. Et il y a toute nationalité. Français, anglais, hollandais, belge, vraiment. Ah, c'est Luxembourg, il me semble. Non, c'est anglais aussi. Donc, tout va bien. Voilà. Un dernier coup d'œil sur le ciel. Oups, pardon, je vous ai secoué. Le ciel est bleu ici. Ça alterne. Allez, on va se retourner l'autre côté. Voilà notre petit coin à nous. Bon, allez, sur ce, donc à Meschial, dans le district de Faro, à mi-chemin entre Almodovar et Faro. Et je pense que nous allons rester ici quelque temps. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.